écrin de prouesses horlogères, d'architecture et de sciences, Besançon, un pôle fortement magnétique. Appuyée sur les pentes qui mènent à la citadelle de Vauban, la ville se love dans un méandre du Doubs. La Franche-Comté et ses proches voisins échangent ici une ingéniosité complice. Peu après la Révolution, Besançon a accueilli des horlogers suisses par centaines, devenant ainsi la capitale française de l'horlogerie. La Maison Leroy, l'une des marques les plus prestigieuses qui rayonnait de Paris, a cédé au charme de Besançon à la fin du XIXe siècle et en a fait son point d'ancrage. Il l'est à nouveau et plus que jamais. C'est au siècle des Lumières que commence la saga Leroy. En 1747, le jeune Basile Leroy signe un contrat d'apprentissage chez un maître horloger parisien. Son fils Charles ouvre ensuite une boutique et un atelier au Palais Royal en 1785. La marque Leroy est née. Après la Révolution de 1789, sous le régime de la Terreur, le nom est difficile à porter. Les anciens fournisseurs du roi sont menacés. Des pièces nobles sont réalisées dans l'atelier du Palais Royal à la Galerie de l'Égalité. La mise au point des chronomètres de marine. Ces minutieux gardiens du temps embarqués à bord des navires pour leur permettre de déterminer leur position en mer est la grande préoccupation des puissances maritimes au XVIIIe siècle. De terribles naufrages frappent alors les imaginations. Déterminer la latitude n'est pas un problème. Pour la connaître, les marins utilisent depuis l'Antiquité des instruments tels que l'astrolabe puis le sextant. Mais ces moyens techniques ne peuvent indiquer la longitude. Pour tenter de la déterminer, il faut lire l'heure à laquelle le soleil est au zénith en plein océan et observer le décalage avec le midi de Greenwich. On obtient ainsi l'écart séparant le bateau du méridien de référence, donc la longitude. Mais pour cela, il faut disposer à bord d'une horloge fiable, ayant conservé l'heure exacte de son port d'attache en dépit des chocs, du roulis, du tangage ou de l'humidité. Une seconde d'erreur correspond à une distance de 500 mètres. Toute imprécision peut mettre le bateau en péril et l'envoyer se fracasser sur un écueil que l'on attendait ailleurs. Le défi technique est donc à la mesure des enjeux stratégiques de l'époque. Les autorités britanniques promettent forte récompense à celui qui construira le meilleur chronomètre de marine. Et c'est l'horloger John Harrison qui, après y avoir consacré une bonne part de sa vie, finira par l'emporter en 1773. Dès lors, toutes les flottes équipent leurs navires de chronomètres de bord toujours plus performants. La Maison Leroy s'illustrera dans cet univers en fournissant plusieurs marines nationales, civiles ou militaires. En 1950, le roi lance la série des chronostats, des chronomètres de marine fondés sur des impulsions électriques et des transistors. Dans les années 1980, les horloges atomiques finissent par en sonner le glas. Aujourd'hui, les GPS tiennent le haut de la vague. Mais quand l'électronique est en panne, reste le sextant et un chronomètre de précision. 9h52 minutes 25 secondes. Au 19e siècle, l'horloger du roi devient celui de l'empereur, de sa famille, ainsi que de toutes les cours d'Europe. Les montres de poche sont toujours plus fines, plus complexes et délicatement ciselées, tandis que les pendules dites d'officier sont de tous les voyages.
Les expositions nationales aux quatre coins de l'Europe valent une pluie de distinctions à une marque dont la notoriété s'accroît alors que d'autres s'essoufflent. Le roi et fils emploie une cinquantaine de personnes dans ses ateliers parisiens, ouvre une boutique à Londres et devient même officiellement l'horloger de la reine Victoria. Une reconnaissance significative pour une entreprise française. Dans les registres des ventes figurent les noms de grands personnages. Chopin, Debussy, Proust et plus tard Saint-Exupéry ou encore Franklin Roosevelt, tous détenteurs d'une montre le roi. À la fin du 19e siècle, c'est à Besançon que l'entreprise décide de s'installer. Un choix stratégique, car la ville est géographiquement proche de ses fournisseurs suisses et dispose désormais d'un observatoire astronomique avec lequel elle va pouvoir collaborer étroitement. Pour maîtriser le temps précis, éviter ses dérives et pouvoir toujours remettre les pendules à l'heure, les grandes nations se dotent de nouveaux outils scientifiques. De véritables réseaux sont mis en place car le temps exact doit être mesuré, comparé, attesté. Dans les années 1880, est érigé l'Observatoire de Besançon avec pour vocation d'aider l'industrie horlogère dans sa quête de la précision. Les astronomes contrôlent rigoureusement la bonne marche des montres et fournissent un certificat de chronométrie. Mais avant de délivrer des bulletins de marche, encore faut-il disposer des horloges de référence dont l'exactitude doit être systématiquement vérifiée par l'observation des étoiles. L'instrument idéal, utilisé dès la fin du 19e siècle, est la lunette méridienne. Installée dans un bâtiment à toit ouvrant, elle est orientée exactement dans l'axe nord-sud. Elle balaye verticalement ce plan méridien que tous les astres répertoriés dans le ciel vont traverser. À quelle hauteur et à quel moment? Ces deux mesures donnent précisément la position de l'astre. Elles sont systématiquement notées et comparées avec les tabelles astronomiques, véritables catalogues d'étoiles. S'il fallait ne retenir qu'une seule pièce historique de la Maison Le Roy, ce serait la mythique Le Roy 01. Présentée en 1900 à l'Exposition universelle de Paris, elle obtient le Grand Prix, car elle est alors la montre la plus compliquée du monde. L'histoire de cette réalisation exceptionnelle est un véritable roman en multiples rebondissements. Une première pièce, comportant 11 complications, est exécutée pour le comte russe Nicolas Nostitz. À sa mort, un grand collectionneur portugais, Carvalho Monteiro, en fait l'acquisition. Il demande à le roi d'en compléter le mécanisme et la décoration pour qu'elle surpasse tout ce qui avait été fait jusqu'alors. Des horlogers de la vallée de Joux réalisent un chef-d'œuvre mécanique doté de 25 complications. Terminée à Besançon, cette pièce unique suscite l'enthousiasme. Elle vaut une fortune. Et pour faciliter son passage en douane, Louis le Roy la confie au roi du Portugal en personne, lui-même client de la marque, alors en visite en France. Il prend la montre dans ses bagages personnels et la remet à l'acheteur portugais. 50 ans plus tard, la Le Roy 01 est de retour en France grâce à une souscription publique et est aujourd'hui une pièce maîtresse du Musée du Temps à Besançon. Construite pour l'exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel symbolise l'extraordinaire essor des sciences et des techniques au tournant du 19e et du 20e siècle auquel le roi est étroitement associé. Car la tour, c'est aussi une antenne. Elle va jouer dès 1910 un rôle déterminant dans la télégraphie sans fil, la radio et pour la première fois, la diffusion du signal horaire radiotélégraphique. Le roi met alors au point les horloges-mères sur lesquelles repose tout le système. Il s'agit de pendules à pression constante, gardiennes du temps,
installées en profondeur pour échapper aux vibrations. Elles sont si précises qu'elles assurent le centième de seconde et équipent bientôt des observatoires astronomiques dans le monde entier. Les résultats obtenus systématiquement par les montres Le Roy dans les grands concours de chronométrie valent à l'horloger tout au long du XXe siècle une importante clientèle internationale, civile et militaire, dans l'aéronautique, la marine et le sport. Cette renommée n'appartient pourtant pas aux seules manufactures byzantines. Le Jura a deux versants. Historiquement, les horlogers des montagnes neuchâteloises ou de la vallée de Joux ont toujours réalisé les montres les plus précises et les plus compliquées, décorées ensuite et commercialisées par les grandes marques ayant pignon sur rue à Genève ou à Paris. Tout au long de son histoire, Le Roy a entretenu des rapports étroits et féconds avec cette terre jurassienne. On a dit de la Le Roy 01 qu'elle était de mère suisse et de père français. La formule est toujours valable. Aujourd'hui, la manufacture Le Roy est fondée sur deux piliers, l'un à la vallée de Joux, l'autre à Besançon, tous deux désormais solidement ancrés. Et pourtant, la crise aura été sévère depuis les années 1970 pour toute cette industrie. Et l'on aurait pu craindre la fin inéluctable et définitive de l'horlogerie à Besançon à la fin du XXe siècle. Ce n'était qu'une éclipse. L'année 2010 a marqué le grand retour de Le Roy dans la capitale de la Franche-Comté avec l'inauguration de ses nouveaux ateliers, avenue de l'Observatoire, et un engagement à long terme. La marque va déposer l'ensemble de sa collection historique auprès du Musée du Temps au Palais Granvelle. Entre Besançon et Le Roy, le cœur et la raison s'unissent. Ces liens resserrés marquent la renaissance d'un grand nom et annoncent le temps de l'excellence.